Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur le plateau de La Quotidienne sur LCN. Je vous avais annoncé Stéphanie Jules, l'actu, l'info du jour. Eh bien, la voici. À l'hôtel de région, vendredi dernier, une réunion a ouvert la phase de concertation pour le développement de la vallée de la Seine. Un nouveau point de départ pour un projet ambitieux qui nécessite plusieurs milliards d'euros. Deux des membres du comité directeur nous en présentent les enjeux. On va être dans l'action très rapidement. Ce sont la volonté des présidents des conseils régionaux et c'est la volonté de l'État. C'est ma volonté et c'est ma mission en tant que préfet coordonnateur auprès du délégué interministériel de faire en sorte que l'on agisse vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà réalisées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le comité directeur a décidé de la mise en place d'un label Vallée de Seine pour donner de la lisibilité. La priorité, c'est l'action autour de projets concrets dans trois grands domaines. Le premier, les infrastructures. Ferroviaire notamment, mais aussi fluvial, portuaire, routier parfois, le contournement est de Rouen par exemple. Deuxième domaine, le développement économique, et en particulier industriel, mais pas seulement, touristique, culturel. Et le troisième grand domaine, bien sûr, le développement durable et l'excellence environnementale de la vallée de la Seine. Fin janvier 2014, nous aurons une restitution avec l'ensemble des acteurs pour en discuter. Et puis, nous allons engager des discussions avec l'État pour un financement, car nous souhaitons qu'à un projet d'intérêt national corresponde une ambition nationale, et donc des moyens nationaux. Le parc des expositions de Rouen a accueilli ce week-end la 6e grande vente Emmaüs. Plusieurs milliers de personnes ont fait le déplacement. L'entrée à 1 euro ainsi que les ventes d'objets ont permis de financer trois projets solidaires. Un reportage de François Leroy. Il fallait se lever tôt pour chiner les bonnes affaires ce week-end au parc des expositions de Rouen. Meubles, bibelots, vêtements, les compagnons ont une fois encore bien garni les allées pour la 6e grande vente Emmaüs. Les objets remis en état pendant des mois ont trouvé preneur en quelques heures. Pour ce qui me concerne, j'ai disques, des livres qui deviennent rares sans être pour autant des choses très chères, voilà. Pour chiner, pour fouiller, pour avoir le plaisir de voir un petit peu et l'occasion de la bonne affaire. La Bretagne, la Normandie et la région parisienne étaient représentées pour cette vente qui est une des plus grandes de France. Près de 6000 personnes ont fait le déplacement. Les organisateurs ont tout de même noté une tendance cette année, des budgets plus serrés que d'habitude. Actuellement, avec la crise qui a existé en France, ils vont plutôt vers ce qu'ils ont besoin. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus chercher maintenant le meuble qui a un peu de valeur, tout ça. Ils vont aller chercher l'ustensile, le vêtement, la petite veste qu'ils ont besoin, le luminaire, la petite commode qu'ils ont besoin. Mais on sent quand même qu'il y a une retenue sur nos clients. Nous. Les recettes des ventes d'objets seront reversées aux trois groupes Emmaüs de la région au profit de trois projets solidaires. Financer l'aménagement du lac Nocué pour amener de l'eau potable au Bénin, mettre en place des projets de solidarité locale et réaliser une maison du bien-être à Piscipeauville en Seine-Maritime. La radio RC2 a inauguré ses nouveaux locaux dans la maison musicale de la jeunesse à Maromme. Avec de nouveaux moyens et une équipe élargie, RC2 va pouvoir développer son activité au sein des écoles. Un reportage de François Leroy et Pierre-Maël Delaubert. La radio RC2 émet dans l'agglomération rouennaise depuis 1991. Et pour elle, c'est un nouveau départ qui commence. De nouveaux locaux viennent d'être inaugurés à Maromme dans la maison municipale de la jeunesse. La ville a mis la main au porte-monnaie pour que l'équipe soit bien installée dans la station. Le nom des nouveaux locaux. Alors l'idée, c'est une relation de bon fonctionnement. C'est-à-dire que nous mettons gracieusement ces locaux à disposition de la radio, donc ce nouveau local, la station. Nous prenons en charge les FUI, nous prenons l'ensemble des frais de fonctionnement. Et puis, c'est un contrat de partenariat que nous avons ensemble. La contrepartie, c'est que la radio RC2 met à disposition ces locaux pour accueillir des jeunes maromais issus de nos écoles primaires. Les habitués trouveront toujours une programmation destinée aux enfants dans la matinée ainsi qu'une sélection grand public l'après-midi. Mais du côté de l'équipe, il y a du nouveau. Trois nouveaux salariés font leur arrivée pour les ateliers jeunesse et périscolaires. Un poste de journaliste et un poste d'assistante ont été ouverts. Cinq nouveaux salariés donc auxquels viennent s'ajouter une dizaine de nouveaux bénévoles. Leur projet est porté et se faire écho de la vie associative de la commune. Ça veut dire pour nous un nouvel envol, une renaissance pour la radio.
avec de nouvelles activités, un développement du périscolaire, des activités au sein des écoles, avec une nouvelle rédaction qui n'existait pas jusqu'alors chez nous, donc de l'information locale obligatoirement, des interviews des locaux, des associations. On essaie d'aller beaucoup plus vers le direct, beaucoup plus vers les gens, ouvrir plus le lien de proximité. Donc voilà, le nouvel air de la radio. Grâce aux nouveaux locaux et une équipe élargie, RC2 peut désormais développer son activité au sein des écoles. Ce nouvel outil pédagogique sera proposé comme activité lors de l'accueil périscolaire dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. C'était l'info du jour de la rédaction de LCN. Je vous retrouve tout de suite avec Sylvain et Régis pour la deuxième partie de La Quotidienne. Merci ma chère Stéphanie, et oui, chaque jour, toute l'équipe, comme vous le disiez, est mobilisée pour vous offrir le meilleur de l'actu de notre territoire de diffusion. Et maintenant, c'est la météo, traditionnellement, comme à ce moment de l'émission, avec Fanny Bertin, qui je crois ce soir est gentille. Et puis restez avec nous, puisque à suivre, après la météo et puis un petit peu de pub, eh bien on parlera bien sûr sport. Régis, je vois que vous me faites les yeux. Régis, il est là, il piaffe, il attend, mais le sport c'est quand? Mais ça va venir, Régis. Ça vient, j'en doute pas. Vous n'en serez encore que plus dynamique, je le sais. Voilà, donc un petit peu de pub, et puis on parlera innovation, on va parler cuisine et gastronomie avec le chef Philippe. Allez, on revient à la météo, on est sérieux, c'est Fanny. Tout de suite, retrouvez votre flash météo avec le magasin Alinéa de Barentin, meubles et déco. Bonjour à tous, le saviez-vous, les gens gentils sont en meilleure santé, et bah banco. Et pourquoi je vous dis ça? Car demain, c'est la journée de la gentillesse. Pourquoi une journée de la gentillesse? J'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Après tout, ça ne peut être que du positif, et personne ne vous demande de vous convertir au bouddhisme et d'intégrer la troupe des bisounours, mais juste de faire preuve d'ouverture d'esprit et de bienveillance. Vous souhaitez quelques pistes d'idées? Voici à titre indicatif quelques exemples de ce que vous pourriez faire demain pour vous montrer le plus sympa des êtres humains. Attention, il n'y a évidemment aucun message personnel dans ce que je vais vous dire. Premier exemple, vous pouvez passer à la boulangerie demain matin et ramener un croissant ou deux à votre collègue super sympa, lui apporter son petit café et finir en lui disant que son travail est vraiment formidable. Dire à votre meilleur pote que c'est vraiment la meilleure et à vos enfants qu'ils sont vraiment votre plus grande réussite. Je répète, rien de perso là-dedans, bien sûr. Bon, en tout cas, la météo a bien intégré cette journée de la gentillesse. Et après cette dernière longue journée de pluie et de gris, grand gros beau soleil pour demain, c'est cadeau. En bref, avant, on pouvait être désagréable, irritant et contrariant, mais ça, c'était avant. Et maintenant, sourire, compliment, éloge, ouvrez les vannes de la gentillesse, dites-vous que tout ça est génial, et n'oubliez surtout pas qu'il est poli d'être gay. À la Saint-Brice, le temps sera celui du jour de l'an. Attention, gros gros dicton aujourd'hui. Formidable chute libre de la durée d'ensoleillement. Je vous souhaite une excellente et génialissime soirée. À demain. Votre magasin Alinéa de Barentin, meubles et déco, vous a présenté le flash météo.